Another song called Wow. Alors Marie, je m'excuse de ne pas l'avoir tourné. Je pense que c'est une de mes chansons préférées de cette année. Je l'ai beaucoup, beaucoup écoutée. Et j'ai beaucoup pleuré sur cette chanson. Beaucoup, beaucoup. Même si ta voix, évidemment, elle est au rendez-vous ce soir, la charge émotionnelle n'a pas été. C'est pas venu jusqu'à moi encore. Il m'a manqué la douleur, il m'a manqué le manque, il m'a manqué la mélancolie, quoi. De cette chanson que j'aime tant et je chante de dingue, hein. Mais je te salue et je salue ton talent et le travail que tu as dû fournir pour pouvoir atteindre ce niveau parce que tu as un super niveau. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un niveau de rock, c'est impressionnant. Et quand on arrive dans ce registre, on en attend toujours plus, toujours plus. Et c'est vrai que dans ce coup-là, il suffit qu'il y ait quelque chose qui passe pas pareil, une émotion qui n'arrive pas comme on l'attend et on n'y va pas. Et c'est injuste parce que tu chantes super bien. Merci. C'est super, je suis heureuse d'être ici. Pour moi, c'est un rêve. Donc, je veux juste te dire un petit gros pardon. Oui. Je veux juste savoir, dans la vie, c'est la chanson qui occupe tes journées, c'est ta passion qu'on refuse, comme on ressent là, je vois que tu es passionné. Qu'est-ce que tu fais? Dans ma vie, je suis femme de ménage. Ouais. Et en fait, la musique dans ma vie m'a beaucoup aidée. Et si je peux dire, ça m'a sauvé la vie, entre guillemets, parce que j'ai eu énormément de difficultés dans le monde. Je n'avais ni lu ni écrire. Et en fait, la musique, pour moi, ça m'a sorti de cette vue. Désolée, je suis appelée. Ça m'a sorti de tout ça. Et pour moi, la musique, je ne peux pas faire sans. J'adore chanter, chanter tous les jours. Bah oui, ça. Yes. Écoute, on a senti tout ça. On a senti tout ça. Merci. C'est une chose qu'on va te dire, c'est merci. Merci à toi. Et je suis là, j'espère vraiment que plein de gens entendront ça, parce que finalement, ta prestation est super. Et ce que tu nous dis là, ça dit énormément de choses sur le refuge que tu peux avoir dans la musique. Et c'est beaucoup d'espoir pour tous les gens qui ont des vies difficiles. Et il y a toujours une voie, un chemin qui fait du bien. Et donc, que tu sois venu nous donner tout ça, honnêtement, c'est un énorme cadeau que tu nous as fait, quoi. Merci. Vraiment, merci. 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 Avant de quitter, on va dire merci, parce que l'idée là de la fille, c'est quelque chose de très très important. Vous rendez hommage à tous les gens en France, d'ailleurs, qui apprennent aux gens à lire et à écrire, les professeurs, dans les écoles. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, il y a des gens dans ce pays qui s'occupent de lutter contre les crimes, qui pourraient faire l'éducation. Et aujourd'hui, nous pouvons vous défendre parce que vous avez appris ces bases, ces codes, qui font de vous une femme d'une dignité absolue. Mon frère travaille dans l'éducation depuis 30 ans. Il a passé sa vie à essayer de faire que les gens puissent retrouver le chemin du travail, retrouver le chemin de la dignité. Il est un exemple. Merci beaucoup d'être venu ce soir, madame. Merci. Merci, merci. Merci. C'est beau ce que tu as fait parce que tu rends un hommage à beaucoup de personnes. On est très fiers de toi. Bravo. Chose due. Je me suis désinfecté les mains. Mon café. Là, c'est moi qui te fais ton café. C'est vrai qu'il y a un sucre, une petite couillette que je vais perdre pour en prendre une autre. Ok. Merci. Merci. Continue. Quand tu décides d'aller, tu parles de mon frère. Mon frère, il a fait 30 ans de sa vie, il a s'occupé de la vie contre les crimes, et là, il a s'occupé sur les gens tous les jours, quel pain proche, avec du boulot qui agit, la discrimination, la route qu'on renvoie à des gens, ça c'est rêve, ça c'est rêve. Ça c'est une grosse injustice quand même. Celui qui n'a pas de mots pour se défendre, là, c'est fini. Thank you.